Bon, du coup, maintenant, il faut que je refasse la quête du vélodrome. Super. Encore un bench de. What the fuck? Ah non, j'ai eu peur. Bon, please, arrêtez de planter le jeu. Arrêtez de planter là. Salut. Ouais, arrêtez de planter, merde. Sinon, j'arriverai jamais à le faire, quoi. C'est pas possible. Bon. On va faire ça, on va refaire ça, je vais dire. Oui, la madame. Le vélo aussi, machin. J'ai qu'à prendre celle-là. Ouais. Ah bah c'était Target, moi je regardais sur les Steep Quest en fait. Mais tuer un King. Parce que sur la version chinoise, ils ont une façon un petit peu bizarre de nommer les monstres. Par exemple, Kezu, c'est électrique dragon. Alors attends, est-ce qu'il y a des picots dans le. Open ball. Oula. Je sais plus ce qu'il me fallait pour upgrader cette arme. Ouais, c'est pas compliqué en fait. Enfin, un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à. Non. Non. Ben, c'est un jeu de 2007, faut pas l'oublier. Bon, là, il est un petit peu amélioré. D'ailleurs, je sais même pas si je. Là, je stream et j'enregistre et je bouffe à peine 0,1% de mon CPU, quoi. Bon, après, j'utilise le GPU pour l'encodage. Mais. Non, il n'y a aucune difficulté. Enfin, aucune, putain, qu'est-ce que je dis? Il n'y a aucune besoin de un monstre comme PC. Je vais aller miner. Miner Hunter. Oh mais ah bon, de toute façon je peux toujours miner en fin de quête. Ah oui, tu peux pas faire loop, rond triangle, rond triangle, rond triangle dans. Là, c'est juste. Oui, c'est ultra simple si tu sais lire. C'est extrêmement simple. Hein. Il y a un guide entier, enfin pardon, il y a un site entier fait pour ce jeu. Je veux dire, si t'arrives à installer Windows, t'arrives à installer ce jeu. Non, c'est même plus simple d'installer ce jeu que d'installer Windows. Ouais, j'ai tué le vélodrome. Vélodrome Cloud. Ah, je pense que le sifflement que j'ai entendu, c'est pour les trophées. Je t'allais miner là-bas.
Bon, si je peux crafter une arme. Ouais, il y a un patch anglais. Bah d'ailleurs, ça soit là, c'est écrit en anglais, les items. Les noms des items sont écrits en anglais. Casse-toi. Putain, armour sphère, ça doit pas être écrit armor. Oui, P4 minimum. Bon, alors apparemment c'était le Richette qui faisait planter. J'espère vraiment que c'était ça. Ouais, wow, j'ai eu un point. J'ai des stamps. Okay, si je peux upgrader mon arme ou en crafter une meilleure. J'essaie de jouer des armes que je n'utilise pas trop dans le mainline, comme la lance par exemple. Oui, mais je comprends rien ce que tu dis, monsieur. Alors, bon, d'accord. Je vais prendre ça. Ça, c'est des trophées, en fait. Tu gagnes des... tu fais des trucs et tu gagnes des trucs. C'est des trophées in-game, en fait, c'est tout. Diva, et ça, c'est Raviante. Non, ça, c'est Palon, je crois. Alors, bon, passons. D'ailleurs, énorme qualité en cristal. Ah, j'ai rien. On va faire une autre quête. C'est pas grave. Je vais acheter plus de pickaxe. Ça indique quand j'ai clear une quête en fait. Non, ça indique pas, c'est relou. De toute façon, il faut que je fasse Yann QQ, donc on va faire celle-là. Je vais certainement mourir, pas seulement c'est le plus dur du jeu. Ok, alors là, qu'est-ce qu'il y a? Moi, s'il y a un truc qui m'intrigue, c'est là. Ah. Identique. Oh putain, mais oui. Ah, oh, ça va. En fait, les... Oh, ça va être bien. En fait, les trucs Iden, c'était une purge à farm. C'est des skills... des gemmes que tu mets dans tes armures, ça donne une arme... en skill spécifique à l'arme, par exemple, du Dual Sword, Sword Shield et tout ça. C'est un skill qui est juste excellent pour chaque arme. Sauf c'était juste le cancer à farm. Et là, le patch anglais, ben disons qu'il... Ouais, il rend le truc plus accessible, parce que en un mois, je farmerai pas... J'irai pas farmer de l'armure Iden. Ça va, faut pas abuser quoi. La PSP, la première PSP, c'était la meilleure pour jouer à Monster Hunter, je trouve. La toute grosse, je trouve que c'était vraiment la meilleure. Pour les portables, hein, je parle, hein. Je veux dire par la portable, parce que tu compares à la 3DS, où la 3DS c'était juste une horreur à jouer. Le son du jeu est assez fort. Deuxième génération. Oh, classé Pico. Ah, QQ, il vient ici. On va le taper.
Ah, ça c'est un moustique. Ah mais non, la minimap elle est trop petite en fait. J'arrive pas à la voir. Parce qu'elle est pas scale à la résolution que je joue. Caméra corner, c'est tellement bien dans le jeu. Et il va courir, moi je vais me faire taper. Ah non. Le son du jeu est assez fort, il faudrait que je l'augmente un tout petit peu. Bon, on dirait que ça va. J'ai eu les deux gemmes de PSP aussi. Et je préférais jouer sur la grosse. Je trouve qu'elle faisait moins mal aux mains. J'avais une grosse PSP rose. J'ai joué 2000 heures à Monster Hunter Freedom Unite sur une PSP rose. Peut-être pour ça que je fais que des filles dans les RPG maintenant. Mais faut arrêter, moi je fais mon combo et puis il me tape. J'en ai marre. Faut arrêter de me taper. Oui, exactement. Bon, c'est pas pire, ils ont fait une PSP Street, je crois. Putain, ce truc, c'était le cancer. Peut-être que je me soigne. Ah, mais j'ai pas de potion. Merde, j'ai oublié de prendre des potions dans le coffre au début. Bon, je vais mourir. Speedrun Strat. Je vais crever pour sauver du temps, en fait. Ah oui, c'est juste le side slash avec la longue sorte, c'est il a des iframes, je crois. Il me semble. Ah bah il part. Je peux aller miner maintenant. Ouais, je vais aller miner un petit peu. Putain, je vois pas la map. Je suis totalement aveuglé. Miné. Par contre, je sais pas s'il donne une armure de départ parce que bon. Là, j'ai quoi comme skill? Attends. Où tu vois ça? En formation. Ah. J'ai. Oh, Hunter Life. HP. Hunter Life, ça fait quoi? Hunter, voilà là, what? Je sais pas ce que c'est ce skill. HP Boost. Speed Gathering et défense. Défense plus 20. C'est pas énorme.
Ouais, PSP, je crois PSP Go. PSP Go, c'était celle où tu pouvais pas mettre de jeux dedans. Ou bien c'était la PSP Street. T'étais obligé de tout passer par le store, c'était vraiment de la merde. Oh non, il part déjà. Oh, quel enfoiré. T'es dégueu. Ah, mais attends, là, il y a du mineur. Je crois. Mais si, il y aura du mineur. Casse-toi, le vélodrome. Ah non, le minage est là-bas, je crois. Ah oui, en fait, il y a un truc qui est bien dans IMH, c'est que tu dois aiguiser ton arme de temps en temps. C'est juste une idée comme ça, enfoiré. Ouais, mais bon, c'était de la merde. Bien, non, tu crois? Je sais plus en fait. Mais je sais que les seules bonnes PSP, c'était la série 1 et la série 2. Et après, ils ont fait des trucs bizarres. Bon, la PSP Go reste toujours plus ergonomique qu'une 3DS, hein, soyons clairs. J'ai aiguisé et puis ça, je me suis fait annuler. Ça va. La minimap est tellement petite, bordel, ça a abusé. Bon, en même temps, je devrais connaître par cœur où aller, mais c'est juste, ça fait très longtemps que j'ai plus joué à un MH Old School. Pour vérifier ça. Oui, c'est celle-là en fait. Ouais, c'est celle-là que j'ai en tête. Il faut que je me gratte l'oreille là, c'est affreux. Ah. Non. Je crois pas. Je sais pas, je vais pas. Là comme ça a été facile, je vais jouer sans prendre la tête, hein. Je vais pas tout faire. J'ai pas envie de tout faire, le contenu endgame, tout ça. Je vais essayer de couvrir pas mal de trucs, mais... Bon, j'arriverai gérant, ça c'est clair. Je ferai du truc gérant, ça c'est évident. J'ai pas envie de rusher jusqu'au contenu gérant non plus. Alors... non, c'est pas ça. Map display. Item from type. Items, transparency, clothing, body physique. Ok. Je pense pas que je puisse upgrader mon arme. Non, j'ai même pas une macalite. Grand forêt de jeu. Pour Ryan. J'arrive pas à croire que Richard il fasse planter, il fasse trigger des messages derrière par le jeu, quoi. C'est abusé. Quoi, je te reprends. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose?
Alors. Oh, toujours pas. Ma qualité. Ah, mais ce jeu de radin. Mon Dual Sword, je la jouerai plus tard. À partir d'HR5, je pense, par là. Voilà, je peux pas. Qu'est-ce qu'il attend? Festival ticket. D'accord. Alors. Oups. Alors ça c'est fait, on fera les autres après. Ouais, ma qualité, je crois que je peux que avoir ça au jungle. Bon, tuer des Vespoïdes, tuer 40 Vespoïdes, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, quoi. 40 Ornithor, 40 Vespoïdes. Je sais pas, c'est ça, c'est le genre de quête que je ferais pas, tu vois. Bon, Daimyo, j'ai pas trop envie de le faire. Attends, les 4 Gaffrings sont où? Parce que je pourrais juste faire ça, histoire de collecter ces pierres. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Par contre, Jungle, c'est déjà quelle icône? Ok, c'est l'espèce de colline. Non, ça c'est pas Gaffring. Ah, voilà. Jungle. Donc, tu es. Ça c'est 4 machins. Voilà, Gaffring, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, pire, je peux toujours abandonner la quête. Hein. Je vais prendre une NPC random avec moi, vu qu'il n'y a rien à tuer. Bye. Je veux juste mes deux pierres pour pouvoir upgrader cette arme, c'est tout. C'est Gaffring ou pas? Ouais. Non, c'est pas Gaffring ça. Merde. Oh merde. Je sais pas ce que c'est cette quête là, comme les. Ils peuvent pas traduire les descriptions de quêtes et tout ça parce qu'en fait elles sont sur le serveur, elles sont pas en local. Je sais qu'avec Gaffring elles ont quasiment pas de. Ah non, mais attends! Attends, je suis bête, je crois que la quête Gaffring en fait, le ticket, il vient au bout d'un certain temps dans ton coffre. Non, ça c'est dans Unite que ça revient dans un certain temps dans ton coffre. J'ai juste une carte collecte, c'est tout. Alors, est-ce que ce serait ça? Painted Fool? Ah ben. Reward. Tu vois pas que c'est une quête de. Bon, normalement c'est ça. J'essaie d'en lancer une là pour voir. Je veux juste mes pierres. Je sais pas si je porte des Makalitor dans cette map. Je vais essayer. Je sais même pas d'ailleurs où sont les points de. Ah merde, ouais, mais c'est con, je sais même pas où c'est les points de minage dans cette map.
Du coup, je vais faire tout le tour de la map en appuyant sur... En appuyant sur... Bah non, c'est pas ça. Voir, attends. Là. Ah non, c'est bon, c'est ça. En fait, la map, c'est pour finir. Ok, c'est bon, c'est ça. Ah bah comme ça, on pourra avoir une map que personne n'a vu quasiment. J'adore cette map. Bon, maintenant, savoir où si je dois miner, savoir s'il y a les bons trucs. Ici, ce serait pas mal non plus. Ouais, donc on va faire tout le tour de la map en appuyant sur rond tous les points. Mais normalement, tu vois. Non, je veux pas collecter. Speciality mushroom. Moi, je veux miner. À mon avis, le minage, c'est que dans la zone 6 là. Ou ici. Ah ben voilà, là les spots sont visibles, moi. Ah ben c'est bon, on peut en trouver là. Pelican or. Ah merde, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout. Stone, non, de toute façon ça va. Hein. Worm, on s'en fout. Hein. Ah ben voilà, il fallait aller là pour ce que je voulais. J'ai quand même faire le tour un petit peu ce qu'il y a. J'adorerais voir cette map dans... dans un autre MH. Bon, les paintballs, je peux les poser. D'ailleurs, je suis étonné qu'elle soit disponible en low rank. J'étais quasiment sûr que cette map n'était pas disponible avant d'être en G rank. Non mais arrêtez! Putain de... Ah, il n'y a plus rien. Ah mais non, je suis en 6, à mon avis, c'est tout, donc... On va faire caster. Bon, c'est que j'ai besoin de ma qualité, j'irai là. C'est bon, hein? Oh merde! Ah non, c'est bon! J'entendais pas la musique, j'étais quasiment persuadé de mémoire qu'il y avait la musique là, même quand tu finis une scène 4 Gaffring, il n'y a pas de musique de 4 Gaffring dans Frontière quand tu finis. Du coup, je vais pouvoir regarder mon arme de merde. Je vais passer à Char 2, je pense. Ouais, it'd be great time. Et après... Iron... Oh, mais putain, il me faut qu'un Iron Ore pour lui grader. Ice Crystal. Je crois que je vais vite faire ça maintenant, en fait. Ça va être rapide. Faudrait que je fasse des... les 7 d'items. Ouais, les 7 d'items, comme actuellement. Genre si le prix de l'impatience charme a été... c'est déjà quoi, c'est talisman. Ça c'est le genre de truc qui devrait... Ces charmes là. Je sais pas pourquoi Capcom les ont jamais mis dans le mainline. Je comprends pas pourquoi. Hello. Jungle Gaffring.
Non, c'est Great Forest, Volcano Swamp Jungle. Non, putain, ça dit target, deliver. Deliver map. Ouais. Bon, la plupart des trucs ont été ajoutés dans pas mal d'épisodes. Ça vient de frontières hein, aussi. Pas mal de skills et tout. Ce qu'ils ont surtout privatisé, ce sont les monstres et les maps. Donc c'est une Iron Ore. Et c'est là que je vais tout avoir sauf ça quoi. Mais bordel de jeu. Ah voilà, c'est bon. Bon, je vais quand même tout prendre ce qu'il y a au cas où. Casse-toi. Bon, normalement c'est bon. Genre envoyer tout dans la boîte, tout ça, ça c'est un truc qui vient de frontières, par exemple. Mais ouais, il y a des trucs qui devraient carrément prendre. Surtout faire certains qualités QL de frontières qui devraient se dégager sur le mainline direct. Genre la bouffe, tout ça, que tu peux prendre avant de prendre ta quête, c'est tellement pratique. Je pense que j'aurais principalement un petit peu long soir jusqu'à Makalit, Electrosex, ça c'est Kezu. Ok, bon. Je vais plus trop me prendre la tête à miner maintenant. Comment je sors les items? Ah, c'est L2. Bon, moi je vais continuer de faire du HR rep normal. Oui, ce serait bien. Peut-être même pour le prochain opus, je sais pas, qu'ils fassent des UP quand ils ajoutent des monstres avec World, qu'ils foutent des monstres aux frontières. Hypnoc. J'ai pas des potions. Ben, ouais, dès le départ. Je vais prendre des potions là. Psychosérum, mythe. HR petit K x4 K. Ah oh, non, ça c'est pour les partenaires. J'ai rien dit. Ouais, ça dépend. Après on n'a pas tellement. Je crois qu'on n'a pas tellement le droit de se plaindre du design des monstres de frontières quand toi nerf gigante. Là, par contre, de pas pouvoir bouffer tes trucs sans avancer, ça fait bizarre. Je sais pas si j'aime d'ailleurs ou pas cette option de pouvoir prendre tes potions en te déplaçant.
Ah, les temps face, c'est ce que je veux le plus dans l'opus principal. Non mais tourne-toi, le monstre c'est de l'autre côté. Pas de nouveau monstre, je pense. Je sais pas, Rajang, c'est quoi ça en monstre qu'ils ont rajouté sur World avec une tête. Et j'ai hâte de voir ce que ça va être le monstre de décembre. Je pense sur Fatalis, je sais pas pourquoi. Ah, enfoiré. Bon, si le monstre pouvait me taper. Attends, ce monstre, il me tape pas quand je dors. Bon, c'est pas grave. Mais oui, mais non, il m'endort. C'est dégueulasse. Puis il me réveille. Putain, le vieux stun comme ça m'avait manqué. Les temps face, ça a jamais été de question de monter le monstre et tout ça. D'ailleurs, les temps face, c'est beaucoup plus fun à les jouer au sol que de tout le temps être en l'air. Non, les temps face pour aller le mettre dans les matchs sans problème, même avant la mécanique de monter. Pourquoi il vole? Ah oui, il change, il va aller en 4, je pense. Bah oui, Rajang est arrivé dans Iceborne, c'est World. Ah, il va en 6. Je suis pas très fan de ce qu'ils ont fait avec Rajang. J'aime bien le combat de Rajang dans World, mais je suis pas très fan de ce qu'ils en ont fait. Il est trop petit. Il a des hitzones absolument dégueulasses. Contrairement à avant, où avant tu pouvais vraiment jouer sur la. Pour te punir, là il a quasiment pas de recovery. Mais j'allais esquiver. Y'a pas quelque chose qui pourrait me taper là. Non mais putain, j'ai recouru dedans, j'étais sûr d'être hors de lightbox de son attaque. J'adore quand tu t'endors, y'a absolument rien qui te touche. Mais Ah bah il va crever. Voilà, moi le monstre là, il s'enfuit quand il lui reste plus de vie, pas quand il lui reste, je sais pas, au moins 30% de sa vie. C'est un truc qui me pète les couilles dans World. Les monstres, ils ont tendance à s'enfuir pour aller dans leur nid quand ils ont encore trop de vie. D'ailleurs, c'est une mécanique que je trouve un petit peu relou, je sais pas.
faudrait qu'il y ait moins d'indicateurs quand le monstre va crever. Enfin, ce serait l'horreur pour les quêtes de collecte. Les quêtes de capture. C'est pas quand le monstre va crever, il y a quasiment aucune indication. Puis voilà, c'était comme ça dans les machins. Enfin, le monstre indiquait, mais pas toujours quand il allait crever. Ouais, Valzac, non. Walfalk, c'est le monstre que je veux le plus dans les Mash World. Clairement. Non, c'est les. Non, c'est pas. C'est les hitbox de MHDOS. Les hitbox de Frontier sont quand même meilleurs. Après, je crois que le monstre. Pour moi, le monstre, je me souviens que la hitbox la plus foireuse dans Frontier, c'est. C'est Defitio. Son hitcheck, c'est le hitcheck de Plessiof dans Unit quasiment. Non, les hitbox sont pas autant foireux que dans Unit. C'est pas le même moteur de jeu. Ah, madame, elle charge. Alors, Tycoon Zazuma. Tycoon machin. Je sais plus son nom. Tycoon. Le crabe. Je pourrais manger un truc peut-être. Ah, ça sert à rien pour le moment. Bah, pas vraiment qu'il bouge, mais qu'il aille dans son lit quand il va crever. Je trouve ça un petit peu casse-couille. Il va beaucoup trop vite. Souvent, ils ont beaucoup trop de vie quand ils y vont. J'adore ce monstre. J'ai jamais compris pourquoi. Enfin, c'est un peu ce monstre, c'est un peu le monstre oublié de MH, je trouve. Antidote, je sais pas pourquoi je dois en prendre. Moi, la map, j'ai pas besoin de la prendre parce que le monstre, il va pas bouger de place. Plessia Feedbox. Enfin, pour moi, le plus gros problème que j'ai avec World, c'est les monstres. Ils arrêtent pas de crier. Ouais. Je vois rien du tout, hein, pour un conflit. C'est tout à fait normal. Je me fais toucher parce que c'est en moi ce que j'ai dû faire dans Frontier en tout une quinzaine de fois, je pense. Ils l'ont tellement oublié, Capcom. Et pourtant, il est excellent. J'espère que je pourrai affronter sa vraie forme. C'est plus difficile, celui. Mais heureusement qu'il fait aucun dégât quasiment. Bon, il faut aucun dégât, mais si je me prends 300 fois les coups qui font aucun dégât, ça fait des dégâts au final. C'est logique. Ah.
En fait, pour voir la vraie forme de ce monstre, il faut détruire toutes ses parties deux fois. Et tu peux affronter, tu peux voir le monstre. Parce que là, tu vois pas le monstre, c'est juste. C'est une sorte de parasite en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est totalement pas Shareish Valda ce monstre, sur sa mécanique. Juste totalement pas, on dira rien. Enfin, sur même certains de ses patterns. Mais non, moi je sais plus comment tu fais ça. J'ai fait un truc de wibou là. En phase 2. J'espère arriver à la phase 3 vraiment. Mais eux. Ouais. J'adore surtout le design du monstre. Peut-être que j'ai 10. Mais je peux aiguiser. Ouais, là par contre j'ai un doute sur la hitbox du truc, j'étais quasiment sûr d'être plus loin que le coup. Bon, j'étais proche mais... C'est là que j'aime bien avoir une arme comme que je puisse garder avec. J'aime bien quand tu peux bloquer des fois. Bien quand tu peux bloquer les attaques. Encore. Ah oh, mais il a quasiment pas d'HP en fait. Je pense que pour voir sa vraie forme, il faudra attendre le high rank là. Il n'y a pas moyen de voir sa vraie forme en HR1, je crois. Il a trop peu de vie. Yep, il a... Parce qu'en fait le machin il est tout petit, il est pas grand comme ça. Il y a trop peu de vie là. Pourtant j'ai essayé, j'ai pris une arme, à peu près de mon stade, j'aurais encore ça à péter, les deux griffes, non il a trop peu d'HP pour un. Pour ça, ta gueule. Bon bah je vais passer à HR2. Je sais pas quand je peux prendre la caravane, j'aime caravane.
Alors, attends, il me dit d'alors le NPC là, faire un truc. Oui, mais ça, c'est ce que j'ai fait. Non, il est gratuit là. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ouah, j'ai eu l'urgent quest. Ah non, j'ai pas cher de habit. Habit Goro. C'est le Dino Baldo original, quoi, en fait. Enfin, Glavanus original. Enfin, c'est sur quoi ils sont inspirés pour faire Glavanus. T'as jamais été bloqué au rang 4. Ouais, jusqu'à la fermeture définitive, fallait payer l'abonnement, c'est tout. Poison Logmeat, on va prendre les 3. Par contre, ce temps pour prendre les items, c'est assez relou. Parce que l'item box, elle est server side en fait. Et du coup, ça. Un peu lent pour prendre les items. Puis moi je prends tout alors j'ai pas besoin. Enfin je prends presque tout, j'ai pas besoin de prendre tout. Moi j'aimerais bien une nouvelle armure parce que ce truc là il ressemble tellement à rien. Par contre. Bon, je vérifierai son côté plus tard. Ce monstre, je me rappelle plus trop comment tu le fight. De toute façon, je sais que le monde, tous les monstres du jeu, ils sont faibles aux dégâts. Ils aiment pas les dégâts. Ouais. Ah oui, non, ça c'est clair. Mais... Je pense à partir du HC ou du gérant, quoi, il rank, qui commençait à te faire un peu plus d'attaque. Il me semble pas que ce monstre était autant passif que ça enfin, au niveau de son pattern. Là, il était surtout le pattern de Joe, je trouve.
Comment tu fais le coup de whip avec... avec la longue sword, je sais plus. Ah voilà. Mais c'est en fait c'est en contre, un peu comme le contre de, du Ice Slash dans World. Sauf que c'est une purge absolue à le placer là. J'ai jamais compris le timing. Ouais. Normalement, il roule, puis il plante la queue au sol. Mais là, comme c'est le rank, je pense que il est encore tout mou du slip. Enfin, dans le slip. Il est où? Ah bah, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Caméra. Ouais, et puis combo pas là non plus. Par contre, la durée du cri, ça a abusé sur lui. Non, putain, à chaque fois j'ai pris l'habitude dans World de ranger mon arme en courant en fait. Et là à chaque fois j'appuie sur la touche pour courir pour ranger mon arme. Ça marche pas très bien quand tu peux pas le faire. Hip check. Mais c'est dégueulasse. Par contre, je cracherais pas vraiment sur une nouvelle armure avec des skills. Parce que là, apparemment, j'aime bien l'armure, elle donne auto-tracker. HP plus 20, défense, défense plus, plus 20, mais je traiterais bien, par exemple, je sais pas moi. Ben, des trucs contre des skills. Ouais, puis ça dépend le monstre aussi. Je crois que ça marchait pas contre tous les monstres dans ce match. Mais, alors putain, s'il y a un truc qui manque pas dans World, et d'ailleurs dans aucun match, c'est ça. Les putains de changements de zone que tu veux pas. Ou les monstres qui crèvent en plein milieu de la, du changement de zone, ça c'est aussi bien. Ouais, j'ai joué depuis une heure, voyez faire une pause toutes de 15 minutes, toutes les heures, c'est ce qui est écrit en bas, hein, juste au cas où. Ouais, des vrais skills. Bon, j'aime bien l'auto-tracker, hein, le voir où il a le monte sur la map. Yeah.
Ah, il faut que j'aiguise mon arme de weeb. D'ailleurs, ça fait combien de temps là? Je pense streamer encore une petite heure, après je vais faire une pause. Et je pense aller jouer à Death Stranding un petit peu de mon côté. Je pense que je rejouerai. Ce soir, ça risque d'être trop tard. Bon, j'aurais fini tout ça, mais je pense demain, je reprendrai dans la journée, dimanche. Mais là, je vais essayer d'avancer un tout petit peu, quand même. Ouais, j'ai tué Jurassic Park. J'ai jamais entendu ce Victor Item, en fait, maintenant que j'y pense. Ça me dit rien. Hein? Demain c'est pas dimanche. Mais je sais que demain c'est pas dimanche. J'ai dit je jouerai demain et dimanche aussi, je pense. Je sais quel jour on est. Enfin, la plupart du temps, normalement, je sais pas quel jour on est, mais là je sais. J'ai jamais entendu ce Victory Item dans Frontier et pourtant j'ai joué 2-3 ans. Peut-être c'est juste quand tu rachètes depuis que ça a changé. C'est quoi ça? Bonne preuve? Non, je sais pas si ça, que je peux aller maintenant à Paran. Je peux prendre les quêtes HR2. Putain, ceci est une révolution. Ah oui, je peux faire mon partenaire, c'est juste. Ah, je peux aller chercher la caravane, Jeanne. Je vais aller chercher ça tout de suite. J'ai 800 tickets HRP, what the f... Ah oui, c'est pour le partenaire. Ok, on va aller faire ça, donc, caravane. On va parler avec la femme au gros sein. Et on va donner la gemme. Monsieur, là, moi je comprends rien du tout, monsieur. Ah, le subgrade. Oui, parce que le housing, ça vient de Frontières, hein, juste au cas où c'est pas World qui a mis ça dans qui a inventé ça pour MH. Ok, j'étais bien par run. Leader, la femme au gros boobs. Ah, normalement j'ai eu la gemme. Non, pas guild. Ah. Symbole couleur. Non, je l'ai pas. Attends. Normalement, t'es juste à lui parler pour la gemme. Attends, je suis obligé d'aller regarder le guide vite fait parce que là, je suis un peu perdu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu choper cette gemme, ce fait que j'ai fait ça. Alors. J'ai eu l'échec, attends, je vais vérifier ça tout de suite. Ah bah non, je crois que je l'ai eu.
Ah non, je l'ai pas. Comment on fait? J'ai oublié. Ouais, tu peux avoir le NPC à partenaire, tu peux avoir le chat aussi. Bon, attends, comment? Je sais plus. C'est un truc que j'aimerais faire le plus vite possible. Non, je veux pas Star Traviante. Merci. Dans le mec, il sait pas ce qu'il fait, Star Traviante. Bon, puis ça sert à rien de le start. Hein. Peut-être ça. Évidemment, le plus important, c'est pas traduit. Ah, bah voilà, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Caravane médaille. Ok, qu'est-ce que je peux faire encore à un Cher 2 avant de passer au reste? Alors. Blablabla. Alors, c'est niveau. Ok. Ah, je vais pouvoir avoir de l'argent. Normalement. Ouais, Dragon's Dogma Online et ça. Ça fait vachement chier parce que les deux jeux sont excellents. Alors. Sell item, ils sont les tickets. Moi, je les ai pas eu. J'aime bien les Elder Dragon Gem comme ça. C'est à cause d'un bonus de trophée. Alors, j'en ai tué aucun Elder Dragon. Ah, il faut que je fasse le partenaire, ok. Je vais faire une waifu. Par contre, je sais plus quelle option c'est. Là, j'ai pas envie de me planter. Alors, là... Ok. Bah, parce que Capcom veut fusionner leur division. Non, mais ça m'ouvre une page internet là. Je veux pas aller sur internet. Enfin, théoriquement, je... Peut-être le Nécro qu'il faut parler. Je sais plus ce qu'il faut prendre comme option. Évidemment, ce qui est le plus important, c'est pas traduit. Hein. Ça. Non, ça c'est part machin. Enfin, les premiums. Ah, ok, il faut que je parle en délai. Non, avec quelle arme je vais commencer? Je crois que je vais prendre basique hein, pour un NPC. Je sais que le Hunting Horn est excellent à cause des buffs. Mais le problème c'est que plus tu joues avec, plus leur IA évolue. Et quand tu commences avec, ils sont autant intelligents que des gaufres. Donc, ouais.
Mais je crois que je vais prendre Hunting Horn. Attends, ça c'est Hunting Horn ou pas? C'est un peu dur à dire si. Un peu dur. Non, ça c'est pas une Hunting Horn. Bon, ça c'est Sword and Shield. Ça c'est Switch Axe. Ça c'est Great Sword. Ça c'est Light Bogan. Heavy Bogan. Lance. Gun Lance. Dual Sword. Donc ouais, Hunting Horn en fait, c'est ça. Allez, on va prendre celle-là. Merde, attends. Je veux faire une femme. C'est quelle femme? Femme. Ça, c'est le Bavior. Le premier, c'est énergétique. Kalos, je sais pas ce que c'est. Ah, bah celui-là, il est traduit, tu vois. Celui-là, il est traduit. Naïf, tempéramental, tempéré, comme la météo. Bon, de toute façon, c'est la manière dont il parle. Yes. Puis après, je peux changer d'arme avec. Hein. Ok, et maintenant? Ah, il faut que j'aille à ma maison. Alors attends, voilà la maison. Bonsoir. Je vais aller à ma maison et je vais pouvoir faire une waifu maintenant, normalement. Comment je l'édite? Parce que là, elle est moche. Ah. R. Ah oui, mais il y a quasiment pas d'options en fait. Quand tu fais le partenaire. Voilà, R color. Ah non, il n'y a pas toutes les voix. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. On dirait qu'elle a un orgasme. Mettez. Ok. Je prends la 2. Face. Oh putain. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Y a pas e-color. Bon, je vais me prendre la tête, mais en fait le personnage on verra jamais sa gueule, c'est ça le pire. Voilà, j'ai une waifu esclave. Non mais attends, je peux lui donner ce Hunting Horn. Ouais, mais elle va trop vieux. Ah ouais, mais elle commence avec un truc craqué en fait. Attends. Enfin, avec un truc craqué par rapport à
Ah oui, tu peux faire leur apprendre des skills et tout. C'est un truc qui est ultra bien. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis un truc autant poussé que ça dans World. Tu peux vraiment faire apprendre des skills. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais, je vais pas la prendre. En fait, je vais pas prendre tant que je suis à HR5, en fait, à cause de... À cause qu'elle commence avec une arme qui a 1300 d'attaque. Ah, donc, on la prendra pas pour le moment. Ah oui, juste faire ça. T'as juste loupé des trucs de HR1, c'est tout. Et... Je vais être riche. Comment je peux mettre 50? Ouais, 2 millions 5. T'as vraiment rien loupé. Je me suis surtout pris la tête parce que le jeu arrêtait pas de planter à quoi j'avais installé Richard et il a pas aimé. Ouais, ils l'ont mis sur les chats dans Double Cross, mais bien, là c'est bien plus poussé. Parce que tu peux vraiment customiser les skills comme tu veux. T'es pas autant limité. Ok. Y a encore autre chose que je peux faire. Ah, je peux faire enfin. Ah attends, je peux encore en faire, je peux encore faire en chat maintenant. Ouais, je vais aller faire le chat. Hein. Même si je pense plus jouer solo, je vais quand même aller le faire. My partner area. Je peux pas y aller depuis là? Mais non, je voulais pas rentrer dans la maison, mais quel jeu de piste! Mais regarde sur le site hotfist.mo, il y a une solution. Pour ça, je change même plus l'horloge en fait. C'est my partner, sérieusement? Ah voilà. Ouais, Nico Creator. C'est quoi ça par contre? C'est très très problématique à choisir, je sais pas quoi prendre. Attends, je regarde juste ce que c'est les options. Ok, en fait, je pense que tu prends une option et tu choisis le nom, c'est tout. Ouais, regarde dans le truc d'installation, le tutoriel d'installation, je crois. Ah, mais non, c'est juste les options de base, bon. Ça. Ah, mais c'est juste les options de customisation. D'accord. Ah, je vais prendre ça. Faut mettre le nom. Putain, je sais pas moi. Waouh. Ceci est un problème. Je veux quand même pas l'appeler Robert. Bon, merde.
Yay! Y a pas l'alc potion là. Bon, de toute façon, je vais y aller solo. Hein. Et là, normalement, GPS est disponible en HR2. Du coup, je vais. Quoi? Je vais juste regarder les armures au cas où. Peut-être que. Ouais, local emulator. J'utilise ça, ça marche très très bien. Je cracherai pas sur une armure. Qui soit une armure, pas un truc, putain. Ouais, je regarde un truc que je puisse faire en entier au cas où. Bon, je pense pas que je puisse faire grand chose. Mais je sais que tu. Tu pouvais. Attends, il y a un truc qui m'intrigue, il me semble. Je vais juste aller voir le NPC d'entrée, voir s'il donne pas quelque chose. Mais il me semble qu'il te donnait une armure. Une armure. Il serait peut-être un peu trop craqué pour le stade où j'en suis, on verra bien. En parlant à ce NPC. Mais là, je sais plus. Je crois que c'était là que tu devais regarder. Du coup, je vais faire toutes les options. Parce que je sais plus où c'est. Ah, voilà. Donc là, elle va me donner 50, je sais pas ce que c'est. Alk pot, bon. Ouais. Oui, tu peux faire la bille. Ah ben voilà, j'ai des trucs. J'ai eu 10, je sais pas ce que c'est, on verra bien. Large Lucky Charm. Ok. Non, mais il y a plein de trucs. Ah, par contre, tu peux pas tout prendre en même temps. Ça, c'est un petit peu pète-couille. Net Café Token. NPL Asma? What the fuck? Je sais pas. Je vois pas trop. C'est des trucs que j'avais déjà eu, ça, sur mon personnage principal. Ouais. Bah, je clique sur ce qu'il y a là maintenant, c'est ce que je fais. Tiens, ça c'est des tickets pour le transmag. Avec la lettre C, D, A comme ça. Ok, il reste que 3 trucs à prendre. Tiens, ça sent la saucisse. Ticket transmog. On va aller voir ce blacksmith tout de suite, voir ce qu'il y a, puis mon storage box ce que j'ai eu. J'ai que des trucs de transmog là apparemment. Bon, bulk item, j'ai rien acheté, hein, ça c'est clair. Compensation, je pense qu'il n'y a rien à me compenser. Et promo item, je pense qu'il n'y aura rien du tout là. Bon, on va aller voir ce que j'ai eu. Bon, d'abord dans le storage. Est-ce que j'ai eu des équipements? Non, j'ai rien eu. J'ai eu des tickets, ça c'est transmog. Ça c'est des fruits pour la cuisine. Ouais, moi aussi ça commence à me donner faim parce que sans la saucisse. Ultra juice, je sais pas ce que c'est. NPG finesse. Mais what? Attends. Le NPC du gacha, je pense pas qu'ils m'ont donné de pièces. Non, c'est pas ça. C'est l'autre. Oui, je veux quitter. Non. Par contre, je finesse.
C'est notre café. Ah oui! Putain, en fait, ils m'ont donné des tokens. Le problème des ornettes café, en fait, c'est qu'elles sont toutes à chier. Sauf certaines. Mais pour les upgrader, et ben t'as intérêt à être riche. Par exemple, tu vois cette arme. Elle est absolument craquée. Mais il faut l'upgrader au max. Et si tu joues pas depuis un net café, t'oublies quoi. Du coup, moi je vais pouvoir en jouer 2-3 en attendant. Donc qu'est-ce qu'on aura? Tinghorn. Ah, mais y a pas le gros canard! Ah non, il est pas là. Et là, je sais pas si j'ai eu des tickets. Non, là, j'ai pas eu de tickets. Là, j'ai pas eu. Je crois que j'ai que eu pour du net café. Ah, event promo, peut-être que j'ai eu. Non. Exotique. Bon, c'est exotique. Genre vinaigre, tout ça. Sword and Shield, qu'est-ce qu'il y aura? Ah non, mais attends, je suis pas dans la même catégorie. En fait, je peux pas en faire beaucoup, quoi. Et puis, si on compare par rapport à ce que j'ai maintenant, bah, c'est un tout petit peu mieux. C'est pas craqué, c'est juste un tout petit peu mieux. Par contre, elle est stylée, celle-là. Mais je peux pas la prendre. GR 7 gemmes. Oh, mais si, en fait, il donne. Je sais pas laquelle crafter. Hammer, qu'est-ce qu'il y a? Non, Hammer, j'ai trop joué dans Ponter, ça me saoule. J'arrive pas à choisir la couleur, en fait. Puis c'est l'élément. L'élément aussi. Bon, je vais faire une Thunder. Je vais l'équiper tout de suite. Elle a un tout petit peu plus de gueule. Voilà. Elle est juste légèrement plus puissante en fait. Si je compare à ce qu'il donne de base dans le jeu. 176 d'attaque, celle que j'avais craftée, elle avec les pierres. Et sinon c'est à 1008, celle qui donne de départ. Bon, la sharpness est absolument fantastique. Juste un petit peu de blanc et du rouge. Moi, je voulais faire la dance life, mais, dance elf, mais je peux pas. Ok. Alors, HR2. Alors, donc j'aurais comme urgente, j'aurais Rassian, Dia, Lavasiaf et je sais plus son nom à lui. Donc, allez, faisons les quêtes à HR2. Je regarde ce qu'il y a. Tiens, il y a Ruko. Ruko. Ruko Diora. Je le ferai après, Ruko Diora. Ah, il y a là où je suis en. Ah, mais je peux peut-être acheter des Armor Charm. Armor Charm. Ah, bah tiens, il y a les gemmes là. Par contre, ce serait bien que ce soit traduit. Ouais, ce serait pas mal. Ça, je crois que c'est Handicraft. Maiden Switch. Gunlance Collant. Power. Ah, voilà. Très, très important d'acheter Power Charm, Power Talon. Bon,
Est-ce que je fais là-haut pour avoir... pour avoir... Putain, non, ça fait chier de faire là-haut, quoi. Il est trop chiant. Monoblos. Lunastra, HR2 déjà, mais what the fuck? Capcom, please. Théostra. Attends, il y a un truc qui m'intrigue là par rapport à la... Ok, disponible. Je vais quand même choper les trucs de base, j'ai pas trop envie de rusher comme un porc le jeu. Je vais continuer d'avancer un petit peu. Pour le moment, j'ai pas trop besoin de. Je veux pas faire là-haut sans être sûr. Du coup, je suis là. Ok, je vais faire les quêtes de débloqueur, déblocage. Bon, racial.